Bâti Express, les micro-trottoirs de Batimat sur Bâti Radio. Je suis Lionel Combet, je suis ingénieur bâtiment et en charge du programme Écrin à l'ADEME. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur le programme Écrin ? Alors le programme Écrin est une démarche qualité qui permet d'intégrer de façon préventive la question de la santé dans le bâtiment. Elle repose sur une méthode de management qui prend en compte la qualité de l'air à l'intérieur aux différentes étapes d'un projet avec pour objectif de réduire durablement les pollutions intérieures dans les bâtiments. La méthode vise les maîtres d'ouvrage publics ou privés qui portent un projet de construction neuve ou de rénovation globale sur des bâtiments d'habitation ou des bâtiments tertiaires. Et quel changement de pratique attendez-vous des professionnels et quelle incidence sur les métiers, les matériaux ? Alors la démarche Écrin vise l'ensemble des professionnels du bâtiment, donc elle impacte potentiellement tous les acteurs impliqués sur un projet. Très simplement, pour le maître d'ouvrage, elle nécessite de mettre en place un cadre de travail qui soit compatible avec les ambitions qu'il se donne sur un projet. Pour le maître d'œuvre par exemple, donc l'architecte ou les bureaux d'études, il s'agit effectivement d'interroger d'abord les choix de conception pour prendre en compte les enjeux de qualité de l'air dans toutes ses dimensions et pour aider les entreprises à organiser les chantiers de façon la plus adaptée possible. Et puis pour les entreprises elles-mêmes, il s'agit effectivement de privilégier l'emploi de matériaux peu émissifs, bien entendu, de mettre en application des bonnes pratiques et surtout de veiller au bon respect des règles de l'art. Et justement, quel message souhaitez-vous leur faire passer et quels bénéfices ? La méthode Écrin a été pensée pour préserver la santé des occupants des bâtiments mais également celle des compagnons. Donc la méthode peut être potentiellement une composante de la politique RSE des entreprises. La méthode Écrin a été élaborée par un collectif d'acteurs avec pour objectif de répondre d'abord aux besoins des professionnels. C'est une méthode qui est focalisée sur l'apprentissage par le terrain et qui permet aux acteurs de s'approprier de façon simple les enjeux de qualité de l'air intérieur sans passer nécessairement par la formation. Les différents corps de métier peuvent se focaliser de façon opérationnelle avec l'aide d'un accompagnement sur leurs propres gestes métiers sans plus d'implication. Bâti Express, les micro-trottoirs de Batimat sur Bâti Radio.